Yop, 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 t'es loulou, c'est tonton Tomique. Je suis sur God of War et je suis un peu dans le mal physiquement parlant. On va essayer de jouer quand même, hein. On va essayer de se démerder, puis pourtant je sais que ça va être la baston. J'en suis où de mon énergie, moi, là, d'ailleurs? Ouais, c'est bon. Bon, bah on y va. Je suis pas confiant. Je sais même plus ce que c'était. Ah oui, il est loup. Je suis dans le mal. Je peux prendre là. Il m'a bouffé là. Ouais. Ça a été radical. Ok. On va gérer un peu plus avec les parades. C'est bien les parades. Tiens-toi prêt, garçon. Putain, c'est qu'il fait super mal en vérité là, le loup violet. Oh. Wow. Ah ouais, les petits coups de griffe là qui font bien du mal. Oh, ça va être raide. Bon, l'idée de le geler au début, c'était pas mal. Putain, je vois rien avec la vue. C'est pas mal comme début. Attention. Putain, le petit con. Ça, c'est, ils font quand même moins mal. Merde, je l'ai pas chopé, dommage. Bien. Je vais stun. Ah, je vais le choper. Allez. Oh, mortel. Toujours pas de pierre à aiguiser. Ouh. Et je ben sais voilà. Que je dois rien espérer, mais tu penses qu'elle est dans celle-ci? Non. Ah, qu'est-ce qu'on a? Acier d'eau, fragment d'écaille du serpent monde. Ça va être bon, ça. Je crois que c'était ce qui me manquait pour faire une amélioration. C'est pas à péter, ça? Oh, surprise. Bon, allez, on fouille. Qu'est-ce qu'on a là? Pierre de passage. Alors, ça continue. Ah, ça veut dire qu'il y a encore un dernier niveau à se péter. Putain. Ok. Et puis ma jauge de rein, là je peux plus trop y compter. Aïe. Bon, je choisis le même de toute façon. On s'en fout. Bon, bah ça repartit pour un tour. Avec des loups, qu'est-ce qu'on va avoir? Gros Marstar. Super. Merde, du coup, je sais pas trop quel prendre. Si, bah si, on a, j'ai l'objectif devant moi, je suis con. Quoique. On va bien voir. Hein. Non, c'est la sortie. Demi-tour. Sur deux, hein. Oh. Ça faut que j'y pense à le faire, ça. Surtout celui-là. Ah.
C'est bon, enfin. Cette preuve, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai l'impression que ça va tomber dessus d'un coup. Putain, y a rien. Comme ça, bien bien. Oh, c'est quoi ça? Attaque runique rapide, incroyable, bien sûr, léger. Fichier d'un, voyons voir. Wow! C'est quoi le faisceau? C'est énorme. Je suis bien tenté, hein. Donc il y a des runes dessus en plus. Attends, j'ai pas l'impression. Colère de l'ancien devire. Ah pétain! Pour l'amélioration, il me manque pas grand-chose. Hein. Mais je le prendrais bien. Hein. Plus un d'ogive. Ouais, allez. On va tenter le truc. Ah, pardon, attends. Est-ce qu'il y avait marqué? R plus R1. On reste zen. C'est quoi ça? Je peux pas le toucher en tout Tu cas. reviens te soulager sur mon cadavre, espèce de petit ordre. Hein? Qui êtes-vous? Triangle. On cherche une pierre à aiguiser. Vous l'avez vue? Oui, il y en avait une dans cette pièce. Mon fils a aiguisé sa dague avec, juste avant de me poignarder dans le dos. Quoi? Ce petit bâtard estimait que c'était à son tour de diriger mes gars. Je n'ai pas été tendre avec lui, c'est vrai. Ça ne devrait pas me surprendre. J'ai fait la même chose à mon père quand j'avais son âge. Sacrée famille. Il a tué son propre père. Où est-il maintenant? Ah, c'est peut-être un meurtrier, mais ça reste mon fils. Ne compte pas sur moi pour t'aider. Alors sa dague nous aidera. Hey! C'est à moi! Hey! Viens, Atreus. On s'en va. Okay. Sûrement pas! Instant, on les titille du bout. Putain, ils sont énormes. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Trop bien. Oh, c'était balèze. Wow. Ah putain, il y a des bestioles volantes maintenant. Ok, elles sont chiantes, elles attaquent bien de loin, ça veut plus rien. Ah, hop, on en parle plus. Qu'est-ce que je fais? Oui, il a tapé sur son pote en fait, ça s'écoute. Ouais, là. Putain, c'est super long.
Je sais pas le corps à corps si c'est une bonne idée avec eux. Merde, y'a encore un autre truc là. Chier. Premier coup, nickel. Ah putain. Ah putain. Parce que ça je pense que je prends un coup, je suis mal. Oh putain! Je pouvais le choper avec le bestiau en plus. Allez, quasiment fini. C'est pas mon moment de foirer. Voilà. Ouh. Bien, on n'a plus qu'à récolter. Voilà, 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 voilà. Ça a pris un peu de temps, c'était pas super impressionnant, mais comme je les connaissais pas. J'ai préféré assurer. J'aurais pu utiliser mon laser aussi. Bon, ça faut que je l'améliore, c'est obligatoire, c'est trop bien. Pour deux sombres crétins, vous savez vous battre, je vous l'accorde. Tu me fais des félicitations, puis tu me traites de crétin. Je suis pas très gentil. Bon. Voilà, fait le tueur. Alors, ça va nous servir à quoi la dague? Ah, fait du boucan, la porte. Ah, je peux pas l'utiliser là. Enfin, bon, pourquoi est-ce que son fils l'a trahi? Tuer son propre père pour un trésor? Il faut être vraiment cupide. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ne tiens rien pour acquis. C'est vrai qu'il avait pas l'air d'être un très bon père. Quand même. Tu ne connais pas toute l'histoire. C'est vrai. Wow, mais quand même. C'est un parricide. Oh! Et il se balade comme ça, lui. Il s'intéresse pas à nous. On va lui foutre la paix. Je sais que ça fait de l'XP et tout, mais quand même. Parce que là, j'ai un truc qui est pas loin. 90 mètres. Bon, ça va par là. Continuons. Mètres. On tient le bon but. Alors c'est nommé, c'est mon ventre garoué. Hein. Je vous ai dit, j'étais un peu dans le mal aujourd'hui. Alors, qu'avez-vous pensé de la réserve de Fafnir? On n'a pas trouvé de pierre à aiguiser. Cette dague appartient au pillard qui l'a prise. Ils ont pris tout ce qui avait de la valeur. Oh, bon. Tiens, prends ça, en échange de la dague. C'est quoi? Un talisman activé en visant pour ralentir le temps. La dague que vous m'avez apportée est intéressante. Sans raffinement, mais de bonne facture.
À quel endroit du temple l'avez-vous trouvé ? Dans le dos d'un pillard. Trop bien. Alors, ouais, c'est sûr que j'avais le talisman de vitalité. Défense 4, récupération 6. Appuyez sur R3 pour activer. Activer en visant pour ralentir le temps. Ok. Ouais, bah on va prendre, hein, avec la vitalité qui descend un peu. Ok. Il a dit qu'il faisait partie d'un clan plus grand. C'est peut-être eux qui ont pris la pierre. C'est fort probable. Je suis sûr d'avoir déjà vu ce motif. Du coup... Oh, ça me changera les idées. Eh oui, il y avait pas mal de choses. Attends, fabriquer protection de la taille, qu'est-ce que nous avons? Ouais, non, les autres, c'est moins bien. Alors, grave à l'ancien, j'ai pas assez. Ah, c'est sûr que la défense c'est mieux, mais alors la force, bah, on chute à mort. Meilleure défense, meilleure récupération. Je perds 9 en force. De toute façon, j'ai pas assez. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? C'est vrai que le petit, là, il a pas grand-chose. Alors, les ennemis en l'air subissent plus de dégâts en mode thérapie, un truc. Ça, c'est sympa, mais j'ai pas assez. Bon, tout ça, ça va, mais bon. Ah ouais, ils pouvaient me trouver des pierres de guérison. Ben ouais. C'est mieux que ça. Ah bah si je fais ça, j'ai plus une thune. Hein. Non, on va voir déjà si on peut pas améliorer. Ah bah le talisman, déjà, basique. Talisman. Poussière du royaume, il me faudrait. Ach. Ouais, celui-là c'est pareil. Ah, ça a eu le coup de me dire qu'il y avait quelque chose de plus. Je te jure. Ok. Acheter des enchantements. Ouais, pourquoi pas, on va voir. Améliorer les runes, la chance. Ah oui, c'est vrai que dans les enchantements, on peut essayer de créer. Mais il faut de la poussière enchantée. Un truc aléatoire. C'est quand même sympa. Pas encore découvert. Bon bah finalement on va rien foutre. Nous trouvons quelque chose à fabriquer après. Oh Tristas. Toc toc toc. Attends, on va quand même voir si on n'a pas une petite quête annexe à faire encore. Ok. Le code. Moi, j'en ai que 2 sur 4. Je dessinerai à trouver la pierre aiguisée. Ah, c'est toujours en actif alors. Mais je peux pas le sélectionner. Alors, non. Père a retiré la dague de son dos pour la première cylindrée. Ouais, je vois pas le mec, non? Bizarre. Je sais que ça ne me regarde pas, mais si j'étais toi, j'effacerais ce symbole que tu as dans le cou. On nous a dit que ça nous protégerait. On nous a menti. Oh non, c'est bien un symbole de protection. Que ce pigment spécifique tienne sur la peau, faut le mélanger à de l'urine de sanglier. Est-ce vraiment préférable à la mort? Légèrement. C'est ton cou après tout. Bah. 716 mètres, on peut peut-être prendre la pierre pour aller jusqu'ici.
Parce que là, ça, oui, non, ça, c'était inaccessible pour le moment. Je crois que je peux aller là. On va voir ça. Parce que sinon, c'est vachement trop loin. C'était la balade. Alors, je peux aller là. Par contre, je ne crois pas pourquoi je peux toujours pas y aller. Inaccessible pour l'instant. Il me semblait l'avoir débloqué, mais bon. Ouais, bah ouais, c'est quand même beaucoup mieux, puisque sinon on est tout là-bas, là-bas, là-bas. Donc on y va, c'est parti. Je l'avais pas encore fait, c'est trop la classe. Ça doit être une branche de l'arbre monde. Atreus, reste sur le chemin. Oui, oui, je sais. Ouf. On saute. Vraiment? Merde, j'aurais voulu fouiller un peu d'abord. Mais... Mauvaise idée! C'est trop bien. N'auriez pas dû vous écarter du chemin. Ah! Donc là on s'est écarté, c'était pas bien. J'aime bien fouiller moi. C'est que j'aurais dû prendre la porte, mais bon. Il faut que j'arrête mes conneries. Bien. Allez, on y retourne. Ok. Ouais, 160 mètres, c'est pas la même. Il y a du monde ou il y a personne? Ça me fout la paix dans quoi. Allez, je vais mettre un peu le décor. Regarde, on est déjà passé près de cette statue de Thor, après la grotte de la sorcière. Et c'est dans quelle direction? C'est le milieu de la matinée. Le soleil est là, alors... Le sud. Le sud-ouest. C'est les gars. Bien. Un coup de fond noir, ça a enfin réussi. Ah, et puis on peut les faire péter quoi. Raté. Bien joué, fiston. À prendre le coup. Et combien là-dedans? Ah, c'est des écailles carrément. Bien. Alors, faut retourner à la montagne. Du coup, j'ai encore 300 Regarde. Mètres à me péter. La magie de la sorcière recouvre encore les poteaux d'infamie. On va gagner du temps. Je te l'ai dit, on devrait revenir avec un code. Ok, ok. Bon, c'est pas là que ça se passe. Quelque chose de bloqué là-dedans. Bon, ça sert à rien. C'est du décor.
Je suis déjà passé par là ou bien? Ça me dit vaguement quelque chose. Alors, un truc là-haut. Ah non, j'ai peur que c'est de là que j'arrive, ouais. Je peux pas sauter? Non, t'es obligé d'aller jusqu'au bout du bout. Ouais, tout ça, je l'ai fait. Ouais. Allez, bon, on va suivre le signe. Hop les. Quand 200 mètres à se péter, bordel. Alors, encore un ch'ti forgeron, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Hop les. Où ça? Oh, c'est pas trop moche. J'ai pris un petit peu peur à un moment donné, mais ça va. C'est quand même un peu plus résistant qu'avant. Bordel! Alors. On se rapproche, on se rapproche. J'entends un peu de bruit. Ah, du gaz. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est ce type-là? Ouais, personne? Cause que ça, du boxon. C'est Pierrot, je sais pas encore comment il est topé. Hein. Ça, c'est pareil, comment tu veux que je foute? Je peux rien faire d'ici, ouais. Mère appelait ça les ronces de haine. Impossible à brûler ou à couper. Alors à geler peut-être, non? Qu'est-ce qui nous manque là? Ouais. On va quoi, on y Ah, j'aurais pas de loisir de lui défoncer la tête. Ta technique s'améliore. Ok, bon bah non, c'est pas par là. Ah merde alors. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Oh bah non. J'ai raté un truc là. Si c'est bien dans ce sens là ou bien. Jeter, voir si j'ai pas raté quelque chose. Un passage. Ah, la clé de coffre. Je vais pas tirer dedans, après les. Non. Tiens, bah, ça a été pas tout à l'heure, ça. Bon, bah, je suis dégoûté. Il n'y a pas du tout de passage. Je peux pas s'accrocher et tout. Il n'y a pas de petits points. Non. Non. Ah, d'ailleurs. Ah bah, faut peut-être tout simplement grimper là-dedans. Mais oui. Bon sang de bois, mais c'est bien sûr. Père,
Tu crois que je pourrais la porter maintenant? Non. Mais... J'ai dit non. D'ailleurs, je la range. D'accord. Ouais, je me souvenais là, du visage avec la... la fumée noire. Donc maintenant, la fumée, on va pouvoir la dissiper, ce me semble. À ton avis, qui a sculpté le visage sur la montagne? C'est moi qui devrais te poser cette question. Merci. Regarde où tu marches. La moindre imprudence pourrait nous ralentir. Oui. Ça, j'avais fait ça. Allez, on y va, on y va. Nous revoilà bloqués par le souffle noir. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir si la sorcière disait vrai. Allez. Lumière dans le fire. Ça marche! Elle avait raison! Viens, il est temps d'en finir. Paf. Nous allons grimper. Et 3 mini XP, s'il vous plaît. Trop cool. Bon, bah maintenant on va grimper la montagne. Et ben on va faire ça, mais sur une autre vidéo. Allez, tchuss.